suis Narcisse Katompa, CEO de Narcix Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux États-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Narcix Water est une eau électrolyte d'une source artésienne à San Antonio, État du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9,5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre face à face un nouveau numéro. Nous parlons essentiellement constitution. Mais d'abord, une mise au point. Vous le remarquez que j'ai un autre micro parce que nous avons un problème de micro. Cette chaîne Congo a besoin de prendre des micros. Et que si des bonnes personnes ont besoin de micros, mais les micros professionnels, parce que ceux qui ont Akin, ce n'est pas qu'on n'a pas le moyen d'acheter Akin, mais Akin, c'est compliqué. C'est des choses que vous achetez aujourd'hui. Et puis, ça, deux, trois jours après, il y a un problème. Mais les bonnes marques se trouvent au Canada, en Allemagne et aux États-Unis. Donc, vous qui êtes en Allemagne et aux États-Unis, si ça vous intéresse de nous trouver des micros professionnels, ça va beaucoup nous aider et ça va faire avancer notre chaîne. Donc, je reçois un membre de la diaspora, mais il est au Congo. Il est avocat au barreau de Lille. Avec lui, on va parler d'une question brûlante, mais alors brûlante. La question, c'est la question des nationalités. C'est un habitué de cette émission, donc il vient quand il veut, comme il veut, s'il veut, parce que c'est sa maison. Nous parlons avec Maître Oscar Mubiai. C'est un avocat, mais il est aussi avocat ici à Kinshasa, d'abord. On parle un peu sur des questions de nationalité. Maître Oscar, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Si vous allez bien, je vais bien. Ça fait longtemps, il faut dire. Oui, oui, bon. Ça, des contraintes d'ordre professionnel, temporel et spatial ont fait que nous ne puissions pas être là, mais chaque fois que nous avons l'occasion, on est là. Est-ce que vous allez dire aux membres de la diaspora qui sont en Allemagne, au Canada et aux États-Unis que Congo Buzz, qu'ils aiment bien, a un problème de micro? Ben écoutez, nous avons une représentante de Congolais de l'étranger aux États-Unis que vous appréciez par ailleurs très bien. Ok. À la personne de Mme Alphonsine Bakambamba. Ah oui, Mme Alphonsine. Nous a rendu visite ici. Si, Mme Alphonsine. Elle va nécessairement nous suivre et je pense que votre requête va trouver réponse très rapidement. Très bien. Je l'ai investi personnellement. Ça serait un grand honneur. C'est un grand honneur. Parce que vous vous investissez aussi pour que j'aille faire une conférence en France et en Belgique. Pourquoi pas d'ailleurs? Oui, oui, exactement. Mais la difficulté aujourd'hui, vous savez, nous sommes Corona. Avec Corona. Corona. Congo vous aime tellement que je ne vais pas vous exposer à ce risque-là. Très bien. Je crois que c'est important d'attendre la vague. Alors, on va commencer par des questions, je veux dire, des sujets moins dérangeants pour rentrer dans notre sujet qui fâche dans peu de temps. Est-ce que vous estimez que le couvre-feu a encore sa raison d'être? Écoutez, c'est une question dont la réponse dépend essentiellement de professionnels, en l'espèce, ceux qui ont en charge la gestion de la pandémie à la personne de M. Mouyembe, docteur. Et à ce stade, je ne pourrais pas m'avancer pour savoir si oui ou non il faut maintenir le couvre-feu ou pas. Ça, c'est une question qui touche à la vie et sur laquelle on doit faire preuve de beaucoup de sérieux avant de s'avancer parce que je n'ai pas de données dans ce secteur-là. Un autre sujet assez délicat, c'est la question du gouvernement. Pourquoi le gouvernement traîne à sortir? Ça fera quand même plus de 50 jours, si je me trompe, je peux me tromper, mais ça va faire plus d'un mois que le gouvernement, que le Premier ministre est là et qu'il n'y a toujours pas de gouvernement. Ça fait deux premiers ministres que l'État congolais est en train de payer, deux premiers ministres. Ben écoutez, là, il faut être vraiment dans le secret de Dieu. Je crois qu'à cette question, M. Moussembe est mieux placé parce qu'on vous... On dit souvent que vous êtes fichier tshisekédiste. Oui. Et donc, comme on dit que, en Lingala, on dit que ce Lingoye, ce Lingando est malade, tout l'angolo. La minute, comme on considère que c'est toi l'angolo, c'est toi le mieux placé pour nous répondre pourtant, à cette question. Pourtant, je suis journaliste et que pas fasciste. Mais d'abord, moi, je ne sais pas pourquoi on vous étiquette comme ça. Les esprits faibles font des raccourcis très rapidement et c'est normal. Bon,
comme je n'en suis pas un, je considère que ce que l'on peut dire est que cette sortie qui tarde du gouvernement entraîne franchement un manque à gagner pour le pays. Ouais. Nous avons des partenaires extérieurs. Et quand vous discutez, ils vous disent « Mais chez vous, il n'y a pas encore le gouvernement, comment on va avancer ?» Moi-même, j'étais ici pour un projet. Il est retardé parce qu'on n'a pas d'interlocuteur quand vous n'avez pas un gouvernement en place. Nous avons un gouvernement transitoire qui ne peut pas prendre des décisions sérieuses et donc qui ne gère que des affaires courantes. Donc, au plan du business, ça pose problème. Comment ça se passe en Belgique quand il n'y a pas de gouvernement? La plus longue durée, c'était combien d'années, combien de temps que le gouvernement en Belgique a pris pour sortir? La différence entre la Belgique et le Congo est que la Belgique a une administration, le Congo n'en a pas. Donc, quand la Belgique peut rester pendant longtemps sans gouvernement, parce qu'il y a une administration qui constitue la colonne vertébrale d'un pays. Et beaucoup de projets sont examinés, étudiés, non pas au sommet. C'est avec l'administration qu'on traite. Or, ici, on a tendance à tout centraliser, de sorte que tout se traite à travers les ministres. Et quand il n'y a pas de ministres, le pays est paralysé. Est-ce que ça fait combien de temps en Belgique, selon l'histoire? 2 ans il y a oui, c'était plus ou moins 2 ans que ça. Ah, il y a eu déjà 2 ans? Oui, il y a eu un moment où la Belgique n'avait pas connu de gouvernement. Et je crois que ça avait fait un peu presque 2 ans. Mais pourtant, il n'y a jamais eu de problème fort parce que l'administration était là et que l'administration pouvait régler l'affaire. Alors, nous n'avons pas d'administration, c'est la difficulté. Il faut la construire certainement. Oui, il faut parce qu'on ne peut pas se développer sans administration. Et donc, l'administration, comme on le dit, c'est la colonne vertébrale d'un pays. Quel est le modèle qui vous intéresse, le modèle administratif qui vous intéresse, que nous pouvons copier, si jamais il fallait copier? Le problème, c'est que nous sommes copistes. Nous avons copié le modèle belge, où nous avons le modèle que les Belges nous ont laissé, que nous n'avons pas amélioré et adapté à nos réalités. De sorte qu'aujourd'hui, il y a une grande difficulté au Congo en termes de fluidité décisionnelle. Quand vous prenez la chaîne décisionnelle, elle est lourde. De sorte que la signature, d'abord parce qu'elle est monnayable, il n'y a qu'un seul chef qui ne délègue pas sa signature, qui signe tout. Donc vous attendez chaque matin, on va vous dire on va apporter les signataires. Donc, de sorte que pour arriver à une décision, il y a plusieurs maillons qui interviennent dans la chaîne jusqu'à la décision finale. Ça prend du temps. 2, ça entraîne la corruption. Et aujourd'hui, s'il faut moderniser notre administration, il faudra 1, réduire la durée décisionnelle, donc arriver à déléguer la signature. On n'a pas la notion de délégation des signatures. De sorte que quand vous êtes par exemple chez Congo Buzz, si ce n'est pas juste un exemple, je vous sais moderne, je ne vous attaque pas, je ne connais pas comment ça fonctionne ici. Mais imaginez-vous que pour que ça bouge ici, il faut que nécessairement Bossembe soit là pour signer. Alors que si Bossembe sait qu'il va aller dans Bandala Natal, il peut laisser la signature entre les mains des Homo. Heureusement, chez nous, c'est comme ça. En tout cas, je ne signe presque pas les documents. Il y a toute une administration qui signe les documents. Ah, bon, vous avez la délégation donc de signatures en votre absence. Encore qu'ici, quand on délègue la signature, on y voit un problème politique. De sorte que quand on dit que l'intérim est assuré, on dit pourquoi on a fait ceci. Il y a beaucoup de débats là-dessus. Donc, mais sinon, il faudra que on arrive à déléguer la signature. Quand vous allez chercher un acte de naissance dans nos communes, quand vous êtes en Europe, c'est la personne qui vous délivre l'acte de naissance qui signe tout de suite et vous donne. C'est une histoire d'une seconde. Mais ici, il faut attendre les bourgmestres qui vont venir signer personnellement. Voyez-vous? Et ça retarde vraiment. Ça retarde. Oui, c'est pour ça que j'estime qu'il faut fluidifier les circuits décisionnels. Ça pourra lutter contre le manque de temps, parce qu'il faut la célérité. Et aussi, ça pourra lutter contre la corruption. Très bien. Parlons maintenant d'une question qui fâche. Et je ne sais pas si vous l'avez entendu. Sur la question de la nationalité. On va aller tout droit. Noël Tiani, qui était un ancien candidat malheureux
aux élections passées, a proposé que pour être président de la République démocratique du Congo, il faut avoir un père congolais et une mère congolaise. Fin de citation. Il a cité le nom de personne. Mais après, les katumbistes, ben alors des attaques où vous n'avez aucune idée, au point même de contester la nationalité de Tiani, de Noël Tiani, que lui aussi serait américain, ainsi de suite. Et des attaques et des attaques. Ben moi, ça m'intéresse parce que c'est une question scientifique à laquelle on est tous invités. Alors, je me pose la question. S'il faut réfléchir en termes de notre constitution, qui est congolais d'origine, qui est congolais par acquisition, et aussi, si vous voulez bien évidemment nous dire, qui peut occuper le poste ou briguer au poste du président de la République selon cette constitution. Il y a l'article 10 et puis il y a l'article 74, je crois. Hein, 72, hein? Très bien. Allez-y. Alors, voilà, il faut d'abord dire que moi, ça me semble très étonnant qu'une question aussi importante soulevée par M. Tchani puisse soulever des tollés dans un certain camp. C'est assez curieux. Donc, l'on pourra répondre à cela que qui se sent morveux, qu'il se mouche, comme l'on dit. Parce que si on parle aujourd'hui au Congo pour que nous puissions aller de l'avant, c'est qu'il faut qu'il y ait des réformes. Il n'y a pas aussi réformes importantes que résoudre les problèmes de qui peut devenir président de la République, sachant que l'on dit que les poissons commencent à pourrir par la tête. Donc, si nous voulons aller de l'avant, il faut d'abord résoudre la question du premier d'entre nous. Et je pense que de ce point de vue-là, Tchani a raison de dire qu'on peut restreindre les conditions d'accessibilité à la présidence de la République. Alors, qui peut devenir président de la République selon notre constitution? C'est l'article 72 ou 72. Qui dit? Je vais lire. Nul ne peut être candidat, même pas président, nul ne peut être candidat à l'élection du président de la République s'il ne remplit pas les conditions ci-après. Posséder la nationalité congolaise d'origine, point. Voilà, on peut s'arrêter là. Ouais. Alors, maintenant, vous allez vers... Il faut faire une lecture combinée pour dégager la solution à ce problème. On prend l'article 10. Vous prenez l'article 10. Très bien. La nationalité congolaise est une exclusive. Alors, pour ça, ça ne nous concerne pas. Ouais. On est au niveau 2. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Voilà. Alors, ici, je ne sais pas s'il y a une erreur ou il y a une faute. Je ne sais pas, mais dites-moi. Pourquoi la nationalité, dans ce paragraphe, ouais, on explique que la nationalité d'origine, mais on ne parle pas d'acquisition, alors que dans l'énumération, on a parlé de soit d'origine, soit d'acquisition. La logique voudrait que, comme on a expliqué, est congolais d'origine toute personne, on aurait fait mieux pour dire aussi est congolais par acquisition individuelle. On énumère. Bon, voici, on dit est congolais d'origine toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo, présentement RDC, à l'indépendance. Qu'est-ce que vous comprenez? Bon, voilà. Donc, nous avons deux types ou deux grandes familles en termes de distinguo de ce que l'on appelle congolais. Alors, l'on considère que l'on a une nationalité congolaise d'origine et une nationalité congolaise d'acquisition. Individuelle. Alors, à votre question d'ordre méthodologique, oui, pourquoi on a défini à cet article-là directement la nationalité d'origine et pas sans expliquer celle d'acquisition? Je crois que c'est un problème de style, simplement un problème de commodité, si vous voulez. Quand vous prenez qu'est-ce que la nationalité d'origine, la définition est courte et simple. Alors que quand vous prenez qu'est-ce que la nationalité par acquisition, il y a plusieurs choses, points. Plusieurs points. Donc, naturalisation, grande naturalisation, petite naturalisation, adoption, né sur le sol, ouais, tout ça, ça demande beaucoup d'explications, ouais, qu'il fallait consacrer toute une section à cette explication-là.
Et alors que pour la nation d'origine, la définition pouvait être vite élaguée et éliminée pour passer à cela. Je crois ça me paraît plutôt logique, votre explication. Ça me semble que c'est question de commodité. Ça me paraît logique. En termes d'écriture. Ouais. Ok. Alors, on est Congolais d'origine. Alors, Congolais d'origine, c'est que l'on est né de l'un de parents. Ça veut dire de père ou de mère. Alors, quand Tchani vient dire que pour être candidat président de la République, il faut être né de père et de mère. Vous comprenez qu'il change la définition de ce que c'est Congolais d'origine. Il verrouille davantage, en fait. Il verrouille davantage, avec raison. Et oui. Donc, il faut être de père et de mère Congolais d'origine. Maintenant, pour ceux qui s'en offusquent, il faut qu'on nous dise pourquoi ça nous offusque, parce que c'est une fierté nationale. Non, mais ils disent pas aux États-Unis, pour être président de la République, il faut être né sur le sol américain. Et impérativement, ça n'appelle pas de débat là-bas. Vous comprenez, il faut être né sur le sol américain. Ouais. De sorte qu'on peut être de père et de mère américains d'origine, mais tant qu'on n'est pas né sur le sol américain, ça fait défaut, vous n'êtes pas on ne pourra pas devenir. Pourquoi on veut que quand il faut être né sur le sol américain? Parce que c'est un problème affectif aussi. Le sol, vous pouvez être Congolais. Nos enfants qui sont nés en Europe, n'est-ce pas, ils n'ont jamais été au Congo. Ils n'ont pas une attache en termes d'affection, d'amour du pays par rapport au sol. Voyez-vous, il y a toujours une explication. C'est une question philosophique, une question d'histoire, une question de lien, et tout ça. Parce qu'il faut aimer son pays. Le but, c'est d'aimer son pays. Mais on peut aimer son pays même si on n'est pas né, même si on n'est pas né dedans. L'histoire nous a prouvé qu'il y a des hommes qui étaient nés en exil, qui sont rentrés libérer le pays et ils ont fait des grandes conquêtes. C'est une présomption. Une présomption, oui. On présume que quand on est né dans ce sol-là, on est attaché. On a eu des amis avec qui l'on a grandi. Parce que nous sommes dans un pays où les gens sont parachutés. Ils arrivent, ils n'ont jamais eu un ami du quartier, ils n'ont jamais eu un ami de l'école. Donc, ces gens-là, comment vous... Pour vivre, enfin, pour l'amour, c'est le vivre ensemble. Pour vivre, vous ne pouvez pas vivre ensemble quand vous n'avez jamais été ensemble. La preuve, il y a de vos cousins avec qui vous avez grandi, dont vous êtes plus proche que de votre frère propre biologique, parce que celui-ci, vous n'avez pas vécu avec lui. Vous n'avez pas mangé les mêmes matembele. Vous n'avez pas mangé les mêmes chekwang. Vous n'avez pas les mêmes repères référentiels. Donc, à partir de là, ça entraîne que nous puissions avoir des gens qui viennent, ministres, présidents de la République, mais ils n'ont pas mangé nos matembele. Alors pour vous, ils n'ont pas pris des mailles à lobo. C'est ça pour vous le sens de naître? Naître sur le sol congolais, disons sur le sol américain. C'est ça le sens, parce que vous avez la tâche du sol. Le sol, c'est très important, même si aujourd'hui, chez nous, on ne considère plus le sol. Ça, c'est un autre débat. Mais revenons sur la question. Toujours, est-il que ça n'est pas toujours clair sur la question, parce que moi, je me rappelle que j'ai été sermonné par deux professeurs, ils se disent professeurs de droit constitutionnel, mais qui n'ont jamais enseigné au Congo, malheureusement. Ils disent qu'ils enseignent ailleurs. J'ai demandé les universités, ils ne m'ont pas donné. Ils ont simplement dit qu'ils enseignent. Voici ce qu'ils ont dit. Ils disent, est Congolais d'origine toute personne appartenant aux groupes ethniques. Ça, c'est la Constitution qui dit. Dont les personnes et les territoires constituaient ce qui est devenu le Congo. Je posais juste une question. Oui. Je dis, bon, alors, quand vous dites toute personne appartenant aux groupes ethniques, quel type d'ethnie? Est-ce obligatoirement les ethnies congolaises? Est-ce les ethnies gabonaises, angolaises, ainsi de suite? Et puis, un autre cas. Un Français qui se trouvait au Congo avant l'indépendance, qui a fait des enfants au Congo avant l'indépendance, ces enfants-là ne sont-ils pas des Congolais d'origine par rapport à la loi? Comment vous expliquez? Non, bon, c'est assez flou. C'est malheureusement délibérément fait comme ça. Il faut qu'on entre dans l'historique de notre constitution pour comprendre très rapidement, comme on l'appelle constitution des belligérants, il fallait faire un peu plaisir. C'est ça le problème. Quand on légifère, quand on met en place des règles et des lois, et on prend la constitution et que l'on veut satisfaire un groupe d'individus, à ce moment-là, la loi ne devient plus impersonnelle comme elle doit l'être.
elle devient un peu assez personnalisée. Et donc là, tout le monde, donc on le sait, qu'on avait besoin de satisfaire nos amis frères qu'on a appelés des Banyamulenge. Et pour cela, il fallait trouver cette définition assez large. Donc c'est pour cela que Noël Tchali a raison qu'on quitte de cette définition assez large pour restreindre un peu les conditions. Et d'ailleurs, ce que Tchani dit, il n'innove pas. C'est déjà dans les textes. Quand vous prenez le code de la famille, on dit que tous Congolais ont les mêmes droits, ainsi de suite. Mais on dit toutefois, on peut restreindre pour l'accès à certaines fonctions publiques. On peut être Congolais par acquisition, mais on a tous les droits, mais on ne peut pas accéder à certaines fonctions publiques si l'on n'est pas Congolais d'origine. Alors, mais justement, moi je suis encore au niveau de l'origine. Maître Oscar, quel est le sens de l'origine dont on parle ici? On dit les groupes ethniques dont les personnes et les territoires constitués, ce qui est devenu le Congo. Qu'est-ce que ça veut dire en termes clairs? Ça veut dire qu'en termes clairs, avant notre indépendance, nous étions sur un groupe territorial qu'on a appelé les Congo. Le Congo belge. Congo belge. Oui. Et à ce moment-là, il y avait des ethnies qui constituaient ce qu'on appelait Congo belge avant l'indépendance. Mm. Et ces ethnies sont connues. Sont connues. Alors... Donc, l'hypothèse d'un Français qui se retrouverait ici, qui deux Français, homme, mari et femme, et qui ont eu un enfant, alors cet enfant ne peut pas être Congolais. Non, mais maintenant, si peut-être l'on se retrouvait par le sol, oui, déjà, oui. Mais il faut dire que la loi a évolué. Bon, on a copié la loi française avec la réforme Pasqua, où finalement, on n'a plus les droits de sol automatiques. Donc, il faut, à ses 18 ans, lever l'option. Oui. Bon, mais à l'époque, une fois qu'on est, il y avait le droit de sol automatique. Alors, les gens qui se sont retrouvés de Français, Italiens, Allemands... On va parler simple, les Flamands et les Wallons qui étaient au Congo. Voilà. Est-ce qu'ils sont devenus automatiquement, parce qu'ils étaient ici, est-ils devenus directement ces groupes-là, ethniques? Oui. Non, ce n'était pas un groupe ethnique. Hein. Ils étaient des personnes. Ok. Ce sont des personnes. Oui. Les Flamands, les Wallons, tout ça, ils étaient des personnes. Mais ils n'étaient pas... On a dit des personnes et les territoires, oui. Et les groupes ethniques. Oui. Non, je relire. Toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et les territoires constitués, ce qui est devenu le Congo. Voilà, donc nous avons les personnes, oui. Ça c'est les Italiens, Wallons, Flamands, qui se retrouvaient, ça sont des personnes qui se trouvaient au Congo avant l'indépendance. Mm. Ils se trouvaient au Congo. Maintenant vous avez des territoires. Oui. Congolais avant l'indépendance. Ces territoires congolais avant l'indépendance sont connus. Et les Belges, quand même, avaient bien assuré l'administration. On connaît qu'est-ce qui constituait les territoires du Congo belge. Et ce sont ces territoires-là qui, dont les personnes et les mêmes gens qui étaient sur ces territoires deviennent les Congolais d'origine. Mais encore une fois, je vous dis, parce qu'un territoire ne peut pas devenir... On dit les personnes et les territoires. Bon, comment un territoire peut devenir pas de la nationalité? Ça n'a pas assez de sens. Donc, ici, on voudrait parler de personnes. L'idée, on a voulu satisfaire un peu certaines personnes. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous, avec ceux qui pensent que la nationalité congolaise est la nationalité, l'une des nationalités la plus très facile à obtenir? Non, je ne pense pas. Au contraire, c'est la plus difficile. Quand vous regardez pour devenir Congolais, il faut un degré présidentiel, après avis de l'Assemblée nationale. Les conditions sont quand même trop strictes. La difficulté, c'est que notre administration est perméable, c'est ça. Comme dans le favoritisme, c'est question d'administration. Qui rend la nationalité facile. Donc, on peut rendre par la loi des conditions les plus difficiles, mais si il y a le favoritisme parce qu'on a d'affinités personnelles, parce qu'il y a la corruption, c'est ça qui rend, en tout cas, perméables les conditions qui étaient strictes par rapport à la loi, mais qui deviennent trop flexibles. Alors, parlons-en, maître. Noël Tchani a-t-il raison ou a-t-il tort? Non, moi j'estime qu'à 100% il a raison. Noël Tchani? Oui, je vous explique simplement, et c'est clair. Qu'est-ce qui est... Parce que quand on prend une loi, on doit
s'interroger sur sa finalité. Qu'est-ce qui est visé? C'est cela la vraie question. L'on considère que quand vous êtes Congolais d'origine, de père et de mère, parce que si vous êtes Congolais d'origine que par l'un de votre de parents, vous pouvez nous réserver des surprises désagréables. À un moment donné, vous dites, ben, je ne suis plus Congolais. Imaginez-vous quelqu'un qui a été président du Congo, et à un moment donné, il dit que je ne suis plus Congolais, et il commence à critiquer le Congo. Comme le cas de Blaise Compaoré, qui n'est plus, qui a cessé d'être burkinabé, maintenant c'est un citoyen ivoirien. Ah, ce n'est pas possible. Quelqu'un qui nous a représentés, parce que quand vous prenez l'article 69 de la Constitution, tout se lie, hein, c'est architectural. Quand vous prenez l'article 69 de la Constitution, le président de la République est le symbole de l'unité nationale. Voilà celui qui représentait notre nation, puisqu'il était né d'un des parents étrangers, et donc il a la possibilité de recouvrer sa nationalité de l'un de ses parents. Voyez-vous, après avoir été président du Congo, la personne peut se dire, ben, écoutez, parce qu'on ne renonce pas à sa nationalité d'origine, quand on est de père et de mère, il n'y a pas le choix à faire. Mais si vous êtes né d'un père américain et d'une mère congolaise, et vous avez été élu président de la République, c'est comme notre président, heureusement qu'il est de père et de mère. Et imaginez-vous qu'après qu'il ait été, qu'après son mandat, que le président Félix Tshisekedi puisse dire, je rentre en Belgique, j'étais de père belge, je suis redevenu belge. Et il commence à dire que le Congo, c'est du n'importe quoi, c'est un pays, il commence à critiquer. Mais aujourd'hui, vous avez suivi une vidéo où on dit que le président, sa mère serait angolaise. Que le président disait qu'il... Oui, bien sûr. Bah, vous savez, les Congolais, ils cherchent le sexe des anges. Hein, comment voulez-vous que quelqu'un qui est né de père et de mère, que l'on a vu la célèbre maman Marthe comme Winnie Mandela, qui bravait les chars ici dans ce pays, et dont le père est bien connu parce que nous lui devons aujourd'hui la démocratie. Comment voulez-vous que du jour au lendemain, vous trouvez les sorciers apprentis qui deviennent historiens ou sociologues pour commencer à dire que notre président serait angolais? Ça, je crois que c'est parjure, ça. Mais on dit aussi que... Alors, je voudrais savoir pourquoi ça gêne, ça fait mal aux katumbistes. Vous en savez quelque chose la sur Katumbi? La réponse, bon, il y a qui peut... Bon, vous savez, c'est comme qu'à l'époque, en France, quand on cherchait la loi sur le mariage pour tous, quand les homosexuels cherchaient à lutter pour qu'on admette le mariage pour tous, donc pour que les gens du même sexe se marient, il y a un sociologue qui a dit qui peut autre se battre pour le mariage pour tous si ce n'est qu'un homosexuel ou un prêtre. Autrement dit, qui peut autre peut se battre pour qu'il n'y ait pas la nationalité d'origine des pères et des mères si ce n'est que des personnes à la nationalité douteuse? Comment ça je douteuse? Ne pense pas que Bossembe pourra un jour se battre aujourd'hui pour dire que la nationalité congolaise ne doit pas être seulement de père et de mère, il faut un des parents. Non, ma mère est congolaise, mon père est congolais, mais il peut y arriver, il peut se faire que demain, les circonstances de la vie peuvent faire en sorte que un de mes frères épouse une Française. Et voici, dans leur union, sort un enfant. Est-ce que je vais être à l'aise de dire que mon neveu ne fera pas président parce que sa maman est Française? Alors que mon neveu est mon neveu, il est le fils de mon frère. Non, la question n'est pas d'ordre biologique. Oui. La question est d'ordre d'intérêt supérieur de la nation. Regardez dans la Constitution, les gens qui ont la nationalité par acquisition peuvent être déchus de leur nationalité parce qu'ils ont pris les armes contre le pays. Encore, je souhaiterais, parce qu'il y a des Congolais de père et de mère, ou alors il y a des Congolais qui ont pu prendre les armes. Oui, qui continuent à prendre les armes contre leurs frères. Il faudra qu'on puisse envisager des sanctions contre ceux-là. La difficulté, c'est que vous savez qu'au plan international, il est interdit de déchoir quelqu'un d'une nationalité pour le rendre apatride. Parce qu'il faut lutter contre l'apatride, en réalité. Il faut lutter contre l'apatride. C'est pour cela qu'il y a la difficulté de déchoir nos compatriotes qui prennent les armes contre nous, de leur nationalité, mais il faut envisager
d'autres sanctions les plus fortes pour les dissuader. Avec le cas de terrorisme, on appelle des binationaux, ceux qui ont pris les armes contre la France, alors qu'ils ont double nationalité, on va dire marocaine, algérienne. On envisageait de les déchoir de la nationalité parce qu'ils sont binationaux. Alors, donc vous comprenez que quand quelqu'un est né, quand quelqu'un n'est pas né de père et de mère, okay, il a une possibilité de prendre à son choix une autre nationalité de l'un de ses parents. Alors que quand on est né de père et de mère, on n'a pas cette possibilité. Ah, il faut dire aussi, il faut ajouter dans ce que vous dites, si Campaoré a trouvé une porte facile en Côte d'Ivoire, c'était aussi pour échapper à tout ce qu'on lui reprochait. À chaque fois qu'on voulait l'attaquer, Campaoré disait que je suis ivoirien, je ne suis pas burkinabé. Donc je ne peux pas être jugé selon vos lois, alors qu'il a été président pendant plus de 30 ans. Voilà, donc vous plus comprenez ans, la question de nationalité, ouais. C'est une question d'intérêt. Soit d'intérêt supérieur, ça veut dire général, soit d'intérêt personnel, ça veut dire subjectif. Donc, à chaque fois qu'on est confronté à une situation, chassant le naturel, il redevient au galop, on peut retrouver le réflexe de se réfugier derrière une autre nationalité que la nationalité congolaise. Et vous craignez que ce soit le président qui le fasse? Voilà, c'est ça la plus grande. Alors, Katumbi est-il congolais? À votre connaissance, il est congolais de père et de mère, ou il est congolais de mère ou de père? Parce que moi, je ne comprends pas, sinon, on n'allait pas assister à tout ce débat. Bon, écoutez, je ne suis pas homophobe, mais toujours est-il que Katumbi a des origines étrangères. Comment ça, vous dites? Comment ça? Alors qu'il est le frère de Katoto. Quand on définit la nationalité, on la définit par des éléments objectifs et subjectifs. L'élément subjectif, c'est la morphologie, la peau, ça sont des éléments subjectifs. Et des éléments objectifs, bon, c'est autres éléments. Donc, je considère qu'à travers sa composition naturelle... Vous voulez parler de sa peau, en fait? Vous n'allez pas dire ça, ça c'est subjectif. Parlons d'abord de l'objectif. Non, je parle d'un élément subjectif. Oui, on va parler de... L'on présume de part... sa peau, parce que c'était un métis, l'on présume qu'il a eu, si pas les parents, d'arrière-parents, blancs. Oui, non, mais moi je ne dis pas que cela me pose problème. Quelle est sa faute? Vous posez la question s'il est de père et de mère. Oui. Pour vous répondre, je suis juriste, pour vous répondre à ce que moi je n'ai pas d'élément. Je suis en train de faire une analyse. Est-ce que son père est congolais? Conduit. Alors, c'est pour dire à tout le moins, il lui incombe à pouvoir apporter la preuve dans la mesure où, en tout état de cause, si ce n'est pas son père ou sa mère qui a été étranger, ça doit être néanmoins un de ses grands-parents. Alors, donc, maintenant, le tout est que l'on a parlé de sa mère, on ne sait pas maintenant son père. À un moment donné, on a dit qu'il était italien ou grec et consort. C'était l'occasion, je vis mon confrère du Pont Moriti, qui est d'ailleurs de mon barreau et qui nous fait la fierté, actuel ministre garde des Sceaux de la France, il est de barreau de Lille, comme moi-même, et donc je l'ai vu être conseil de Katumbi. À cette occasion-là, moi je me suis dit, c'est une occasion pour Katumbi de pouvoir apporter la preuve aux Congolais qu'il aime, je considère, qu'il était national de père et de mère. Non, mais c'est pas ça, c'est pas à lui. La preuve incombe à ceux qui l'accusent, ceux qui pensent que Katumbi... En la matière, c'est l'inverse. C'est une charge de preuve inversée. Si vous me demandez aujourd'hui si je suis Congolais de père et de mère, bah, c'est facile, je vous apporte ça. Nous savons que Katumbi a un certain âge et que s'il est catholique, parce que je vois beaucoup de... À un moment donné, tout le monde était presque catholique. Vous savez que les catholiques, vous allez dans des missions où vous êtes nés. Les catholiques avaient ce qu'on appelle l'ivraie de baptême. Ça existe jusqu'à aujourd'hui. Donc on peut reconstituer très rapidement
nos identités, nos cartes nationales à travers des catholiques, parce qu'eux étaient très organisés pour certains enfants nés à l'époque où il y avait encore des paroisses, des missions catholiques qui fonctionnaient. Mais monsieur Boussembe, vous allez dans votre paroisse, dans votre mission, on vous sort votre carte de baptême. L'on sait qu'on est des pères et de mères. Où voulez-vous en venir? Je veux en venir à ceci. La question la plus importante, parce que je me demande pourquoi on réduit cette question à la personne de Katumbi. Malheureusement. Et on ne doit pas... Alors, les gens de Katumbi, moi, je ne les ai pas suivis. Ben, si vous me dites qu'ils s'en ont, en tout cas, embêtés, ils se sont trouvés embêtés ou offusqués par rapport à cette question, c'est dommage pour eux, donc ils doivent avoir de bons conseillers. Parce qu'il prétend être président de la République. Mais quelles sont les informations que vous avez de façon formelle sur Katumbi? Vous avez quand même fait beaucoup de temps en Europe. Vous connaissez tous ces gens. Vous les connaissez nommément, je veux le dire. Moi, je suis juriste. Oui. Je note que Katumbi, à un moment donné, il s'est soulevé la question de sa nationalité. Oui. Je note que malgré le brillant avocat qu'il avait, ni lui-même, ni par ses avocats, encore moins ni par ses porte-parole, dont l'un d'eux, est le plus médiatique et, ou alors plus présent dans les médias et qui s'hasarde parfois à des questions parce qu'il semble connaître tous les droits, à toutes les questions juridiques. Il n'a jamais apporté d'éléments de preuve. De qui vous parlez? Le porte-parole adjoint de... En tout cas, il a deux porte-parole dont l'un est juriste. Ouais. Vous parlez de qui? De Olivier Kamitatou? Non, lui, il n'est pas juriste. Mais vous parlez à de moins qui? Qu'il ne soit devenu. Délice et Sanga? Non, Délice et Sanga n'a jamais été. Mais vous parlez de qui ils sont allés chercher? Calombo, non? Francis Calombo. Ah, d'accord, Francis Calombo, ok. Bon, je crois que c'est lui qui, quand on touche à Katumbi, il se met en avant-plan et en évoquant beaucoup de théories des droits. Bon, parce que nous sommes dans un pays comme le nôtre où on laisse les gens parfois débiter des choses. Non, prouvé scientifiquement. Vous pensez que Francis Calombo débite des choses qu'il ne maîtrise pas? Bon, il y a ce qu'il maîtrise, mais il y a parfois d'autres affirmations gratuites, scientifiquement, je vais dire, de sorte que, bon, pour une question comme celle-ci, ça n'aurait pas, c'est de lui qu'il s'agit. Il devrait prendre ça avec beaucoup de manières dépassionnées. Alors, moi, je ne l'ai pas entendu, je ne l'ai pas encore suivi sur la question. J'ai par contre suivi, j'ai suivi Délice Sanga qui a traité Dr Tiani de, bon, je ne sais pas si je dois le dire le terme comme il faut, mais c'était des propos dégradants en tout cas et à la fois grossiers. Et puis, Olivier Kamitatou, qui lui n'est pas allé par quatre chemins, a traité le propos de monsieur Tiani de débile et d'ignorant total sur la question. Il dit même que nous sommes en train de courir un péril, l'État est en train de courir un péril si nous réveillons cette question-là. Non, mais écoutez, voilà, Délice Sanga, j'ai beaucoup d'estime. D'abord, c'était un confrère. Parce que, voilà, c'était un confrère. Un brillant avocat. Bon, écoutez, moi, je ne fais pas la publicité d'avocat. Je considère tout simplement que c'est un confrère français aussi, parce que c'est mon jeune confrère, il vient de prêter serment en France. Et donc... Il est français de nationalité? Non, ça, je ne sais pas s'il est français de nationalité ou pas. Toujours est-il que je sais que je le connais, je connais ses parents. Donc, lui, il n'a pas de souci de nationalité. Mais tout simplement par amitié avec peut-être Katumbi, à ce moment-là, au lieu de rester scientifique, il a pu peut-être faire fausse route, je ne l'ai pas suivi, mais je ne crois pas que Deli puisse s'attaquer à Tchani, parce que Tchani a émis cette réflexion-là. Ils disent que ces propos peuvent entraîner une guerre, parce qu'il y a des Congolais dont les parents sont à l'étranger, il y a des Congolais qui ont des pères Congolais ou pas, mais qui aime ce pays, qui s'attache à ce pays, écoutez, qui s'attache à ce pays. On lit la loi, on ne la lit pas. Oui. Quand on est juriste, on doit... Vous savez, comme je suis en train de vous dire, la loi, on ne doit pas lire les choses de manière isolée, c'est toute une architecture. Quand vous prenez le code de famille sur la question des nationalités, quand vous prenez la constitution, l'on dit que on peut être exclu à certaines fonctions publiques, n'est-ce pas, si l'on n'est pas Congolais d'origine. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire qu'il y a certaines fonctions dont l'accès exige, n'est-ce pas, que l'on soit Congolais
d'origine. Mais alors, c'est ça que je dis. Donc, si une... vous avez un père ou vous avez un père congolais, une mère étrangère, vous êtes congolais d'origine selon la loi. Je suis d'accord avec vous. Non, ouais. Non, il faut qu'on se comprenne. Oui. Donc, il y a certaines fonctions. Pour y accéder, il faut être congolais d'origine. Oui. Et d'ailleurs, on pouvait considérer que notre constitution établit une discrimination entre les Congolais d'origine et les Congolais par acquisition. Mais l'on admet cette discrimination que l'on considère, allez, positive par rapport à la fonction. Donc, il faut dire tout simplement qu'il y a certaines fonctions qui exigent qu'on puisse restreindre, qu'on puisse poser des conditions très strictes. Oui, mais pour des Congolais d'acquisition, ceux qui ont tenu le coup. Même d'origine. Comment ça, d'origine? Alors, maintenant, ce que Tchani veut dire, oui. C'est quoi? Tchani veut dire tout simplement que notre définition des Congolais d'origine prend seulement en compte l'un des parents. Or, Tchani voudrait dire... Que tous les deux parents soient des Congolais. Voilà. Et je ne trouve pas de mal. Mais si donc, vous... on peut maintenant, ça veut dire renforcer les conditions d'accès mais c'est justement aux fonctions présidentielles. C'est justement ce qui est dérangé. Ce qui est chantre de leur fameuse réforme avec G13, n'est-ce pas, avec la, sur la CENI. Oui. Je crois que ce que Tchani vient de dire vient enrichir, n'est-ce pas, le cahier de charges pour les réformes que tout le monde non, justement, ça va déranger. Regardez maître Oscar. Prenons le cas de Katumbi. Au cas où Katumbi avait un parent qui n'est pas congolais. Oui. Mais par rapport à la loi Katumbi est présidentiable, par rapport à cette loi, il est présidentiable, il n'y a aucun souci. Mais j'ai cru comprendre que cette loi, il fallait la réformer. Justement, et parmi pour et la réforme... Ce que Tchani dit, c'est pour réformer la juste, loi. Mais non, la proposition de Tchani oui. Dérange les Katumbistes. Parce que pour eux, ils disent que Tchani le dit pour faire plaisir à Félix Tshisekedi. C'est Tshisekedi qui l'a envoyé de dire ça parce qu'on veut disqualifier un candidat brillant comme Katumbi qui est présidentiel en 2023 et celui qui sera président de la République. Ça commence à devenir trop clair. Ça oui. Veut dire qu'eux sont en train de reconnaître que Katumbi n'est pas de père et de mère congolais. À ma grande surprise, je suis moi aussi étonné de comprendre ça. Si tel est le cas, nous ne pouvons pas le cajoler. Vous savez, les histoires d'État ne demandent pas qu'on puisse... cajoler les gens, quel que soit leur rang social ou rang de richesse. Parce que quand on touche à la question des Katumbi, on voit certains qui disent « moi, il ne m'a jamais rien donné », les autres qui disent « moi, il me donne beaucoup ». Et donc, on peut devenir président de la République quand on est né de nulle part, comme on va dire nous autres, né au village, et par mérite, nous pouvons dire que nous pouvons dire qu'on devient candidat président de la République. Comme Bossembe qui est là, qu'on a vu à Bandaka étudier, voilà les présidents dont on a besoin. Comme Tshisekedi que l'on a vu, qui a grandi dans les mêmes conditions que nous autres, dans beaucoup de difficultés. Alors, donc on ne doit pas, sur une question comme celle-là d'importance nationale, aller avec le plaisir d'un individu. Katumbi, c'est un mortel. Il pourra passer un jour. Mais la nationalité, pour nos générations futures, ne passera pas. Donc, on va dire tout simplement que on n'a pas à dire d'un côté qu'on va choquer Katumbi, qu'on doit avoir la langue du bois là-dessus. On ne doit pas, de l'autre côté, on ne doit pas dire que ça va provoquer la guerre. Il ne faut pas agiter. Vous savez, chaque fois qu'on a agité la peur, c'est pour cacher quelque chose. Est-ce que vous pensez que Katumbi est présidentiable selon la réforme de Tchani? En l'état actuel... Katumbi est présidentiable. Oui, mais dans la réforme... Dans oui. La réforme que nous prenons, que moi personnellement, je trouve que c'est là que je dois prôner et je dois appuyer Tchani, Katumbi, s'il n'est pas de père et de mère dans la réforme, il ne va pas être candidat présidentiel. C'est quelque chose de règle de jeu. Est-ce que vous comprenez les dangers de vos propos? Est-ce que vous imaginez ça, maître Oscar? Les gens vont vous insulter aussi. Cher hein. Ami, sont... comment voudrez-vous que... Pour devenir un fonctionnaire d'État, l'on exige que l'on soit national, congolais d'origine. Et pour devenir président, qu'on soit complaisant. Donc, ce n'est pas une fonction de complaisance, président de la République. Donc, pour vous... Il a notre destin entre nos mains. Nous ne pouvons pas avoir quelqu'un qui a notre destin entre ses mains, qui puisse nous dire demain qu'il nous renie.
parce qu'il n'est pas totalement le nôtre. Nous n'avons pas besoin des chauves-souris qui, le matin, les oiseaux disent qu'il est le leur parce qu'il a des poils. Des plumes, puis, vous voulez dire? Des plumes, je voudrais dire, merci beaucoup. Et puis, quand les souris arrivent, les reconnaissent toujours les leurs parce qu'ils se retrouvent en lui. Ça, ce sont des présidents chauves-souris. Et donc, Katumbi est un président chauve-souris? Ah, s'il n'est pas des pères et des mères congolais. Très bien. On va y donc, voir. Je vais dire que demain, les réformes que nous voulons que l'on soit des pères et des mères congolais. Alors, si vous me dites maintenant qu'il y a des gens qui ont dit que c'était dégradant, c'est du Moyen-Âge, alors pourquoi alors la démocratie la plus aboutie au monde, et ça, ce n'est pas mon confrère Sanga qui va me contredire, c'est la démocratie américaine. Pourquoi alors les Américains ont dit qu'il faut être né sur les territoires américains? Est-ce que vous, alors, donc, moi, je ne vois pas de difficultés. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que c'est de l'ingratitude vis-à-vis de Katumbi, après tout ce que Katumbi a fait pour Félix Tshisekedi, après tout ce que Katumbi a fait pour Mais non, mais le problème n'est pas de Félix Tshisekedi, ce n'est pas Félix Tshisekedi qui demande ses réformes, c'est le peuple qui demande des réformes. Non, c'est Noël Tiani qui demande ses réformes. Qui c'est? Noël Tiani, c'est lui qui a demandé ses réformes de la nationalité. Non, mais c'est que Noël Tiani a dit tout haut, parce qu'il a la chance de passer à la télé, parce qu'il en a peut-être des moyens, et parce que peut-être il est celui dont la voix peut porter, mais il y a beaucoup de Congolais... Qui pensent comme ça? Anonymes comme moi, qui pensaient comme lui, et vous m'en donnez l'occasion de dire qu'il n'est pas seul. Et moi j'apporte des éléments d'ordre scientifique pour démontrer la nécessité de mettre les conditions très strictes et sévères même, et j'épouse votre formule d'une nationalité jalouse et capricieuse. Ça veut dire que nous devons être fiers de nous-mêmes. Non, c'est ça. Ce n'est pas moyenâgeux, en fait. C'est ce que nous disons, vous et moi, parce qu'on nous a traités de moyenâgeux. Moi, on a dit que j'étais moyenâgeux, je réfléchis comme dans l'Antiquité, cette question devait être bannie. C'est trop moderne. Si vous allez traiter l'Amérique de Moyen-Âge, ben, c'est un bon Moyen-Âge. Parce que la modernité que vous souhaitez, rien n'est nouveau sur ce sol. Est-ce que diriez-vous ça? Sol, comme on dit. Est-ce que vous diriez ça pour vos enfants? Vos enfants sont nés où? Non, mais ce n'est pas le lieu de naissance. Mes enfants sont des pères et des mères congolais. Mais ils sont nés où? Parce que si on ajoute aussi être né au Congo, vos enfants sont exclus. Mais ce n'est pas un problème. On ne va pas se battre pour ses enfants biologiques. Donc vous êtes dans le combat du principe d'un pays. Les principes d'abord. On est pour un pays. Oui. On se bat pour un pays. Pour ce pays Congo, il y a ceux qui ont versé de leur sang, n'est-ce pas? Pour ce pays Congo que nous voulons, et comme la Constitution le dit, que nous voulons demain meilleur et beau, il nous faudra que ceux qui ont notre destin entre leurs mains, que leur cœur batte au même rythme que nous, et que si jamais ils venaient de mourir au front, qu'ils meurent leur tête tournée au Congo, et non pas qu'ils puissent dire leur tête soit être tournée au Rwanda, en Italie, je ne sais où. Mais pourquoi vous dites Italie? Ce pays-là dérange on aujourd'hui. On dit Italie par rapport à Katumbi, parce que c'est vous qui en parlez. Moi, je ne pratique jamais des langues de bois. Katumbi, on a dit qu'il y avait une commune italienne qui avait reconnu qu'il était italien. Bon, maintenant, aujourd'hui, l'Italie, c'est un pays développé. Bon, les Congolais à qui la question intéresse peuvent s'adresser à cette commune. Nous avons une Congolaise qui est d'ailleurs ministre là-bas. Madame Kenge. Ça ne vous gêne pas? Elle est Congolaise. Elle est Congolaise. Mais elle n'est pas, là-bas. Ne sera jamais, elle n'est pas présidente de la République. Elle ne pourra pas l'être. Il y a des conditions strictes, restrictives. Il y a ce qu'on appelle la préférence nationale. Si on dit dans l'administration... Mais notre loi le dit. La loi dit que pour certaines fonctions publiques, il faut être Congolais d'origine. Mais maintenant, Tiani vient dire, voyons un peu plus clair dans cette notion de Congolais d'origine. Parce que si vous admettez qu'un seul de vos parents puisse être seulement Congolais, il y a le risque que si votre père est Congolais, que votre mère soit italienne, pour parler de Katumbi. Okay? Donc, si votre mère est italienne, vous avez la possibilité, n'est-ce pas, un jour, de vous dire Congolais, soit italien, par votre mère.
Donc, il faut, pour verrouiller ça, donc, pour il faut verrouiller que papa ça, et maman soient congolais, des Congolais. Il faut être Congolais d'origine. De sorte que quand je me bats pour le Congo, parce que le président de la République est non seulement symbole de l'unité nationale, mais il est magistrat suprême. Et vous prenez l'article 149 de la Constitution. La justice est rendue au nom du peuple et les décisions de la justice exécutées au nom précieux du président de la République. Ce que je voudrais dire, que si vous, vous avez d'intérêt par votre mère qui est italienne et qui a des décisions contre l'Italie, votre mère peut vous appeler pour dire « mon fils » et votre cœur va commencer à basculer. Ça peut être nous vrai. Devons avoir le président, quand il se retire, dans moins d'une seconde, où il doit prendre la décision. Puisque vous vous semblez, vous dites, quoi qu'il arrive, vous dirigerez ce pays. Je vous ai suivi. Oui. Donc vous devez, quand vous vous retirez, seul, parce qu'un président de la République est celui qui prend les décisions, seul, face à ses responsabilités, en âme et conscience, il doit, quand il regarde pour prendre la décision, il voit son père congolais, il voit sa mère congolaise. Et là, il n'a aucun intérêt autre concurrent avec toute autre nation. Et donc, je pense et je vous invite à inviter nos amis qui disent que Tchani a dit des bêtises, à inviter, organiser un débat. Ouais, je vais le faire. Je vais le faire. Mais ils ont dit par exemple que ceux qui ont tué ce pays, ceux qui ont détruit ce pays, sont des Congolais, des pères et des mères. Mais est-ce que c'est pour autant qu'il faut accorder la nationalité à tout le monde parce qu'on a... C'est un argumentaire faible. Et je ne pense pas que cet argumentaire peut provenir des juristes. Quand vous avez deux gens qui sont condamnés pour avoir pris les armes contre leur pays, pour avoir commis des crimes, cela n'entraîne pas que, puisque c'est un raisonnement analogique, ces gens-là peuvent être déséquilibrés. Si on voit quelqu'un qui est de père et de mère, qui prend les armes contre son pays, c'est un déséquilibré. On ne va pas trouver d'autres intérêts. Mais si on trouve une personne qui n'est pas déséquilibrée, qui a pris l'arme contre son pays, c'est parce qu'il a une inclination comme un animal vers le bas. C'est comme les Congolais qui ont pris les armes contre nous, avec la rébellion. Et la plupart des gens que vous citez ont fait la rébellion. Et ils agitent aujourd'hui la peur de la rébellion. Mais il faut qu'on considère que la rébellion, nos générations actuelles, ça ne leur dit rien. La rébellion de l'Est, RDC, Goma, les histoires commandées et commanditées par nos frères ennemis rwandais. Il y a des gens qui ont répondu pour leur propre intérêt aux ordres des Rwandais. Et que ces gens-là, malheureusement, nous dirigent encore. Alors qu'ils ont pris des armes contre eux. Donc, vous comprendrez qu'en dehors des intérêts matériels ou des intérêts d'ordre affectif, on ne peut pas prendre, sauf à être déséquilibré, très bien. On ne peut pas prendre des armes contre son pays. Donc, je pense que quand Tchani dit qu'il faut être de père et de mère, ce n'est pas faux. Et que cela se justifie. Merci beaucoup. Cela implique quoi? Cela implique, puisqu'on parle aujourd'hui des réformes de la loi électorale, et par là, il y a ceux qui parlent de cela, et comme la loi de Tondoula et consorts, mais il faut dire que dans la loi de Tondoula, il y a les angles morts. Je vous donne un seul exemple. Quand vous prenez le contentieux électoral aujourd'hui, on va vous dire que la CENI n'est pas une partie au procès. Alors que c'est la CENI qui a pris la décision. Comment vous ne pouvez pas vous attaquer qui? Christian Bossembe va aux élections, candidat opposé Omo. Et Christian Bossembe gagne les élections, Omo va en procès contre Christian Bossembe. Qu'est-ce que Christian Bossembe a fait? Bon, j'ai rien fait. Alors, donc, pourquoi maintenant la CENI... Ben, c'est la CENI qui devrait répondre à cette question-là. Vous savez que dans notre contentieux électoral, la CENI n'est pas une partie au procès. Ben justement, il faut changer ça. Il faut changer. Mais dans la loi Tondoula, ce n'est pas dit. C'est ce que j'appelle des angles morts. Donc, on peut multiplier des choses. Pour revenir à la nationalité... Oui, pour terminer aussi. Voilà, pour revenir à la nationalité, donc ça implique qu'on puisse changer la loi électorale pour exiger que, pour être président de la République, il faut être de père et de mère congolais. Et modifier la constitution quant à ce qui concerne la définition de qui est congolais d'origine, pour dire est congolais d'origine toute personne née de père et de mère. Maintenant, je comprends que cela puisse attirer des foudres par rapport à ceux-là qui n'ont pas eu la chance, n'est-ce pas, d'être de père et de mère. Voyez-vous, M. Christian, et je finis par là, être né quelque part n'est qu'un hasard. Mais en même temps, par rapport à la fierté d'un pays
est une chance. Nous devons amener par ce débat, parce qu'il y a beaucoup de nos compatriotes qui se disent qu'ils veulent même aller rester prisonniers ailleurs. Vous savez ça, on le dit. Si. Je préfère être prisonnier aux États-Unis qu'être congolais, être un homme libre. Mais maintenant que nous prenons des lois comme ça, ça va pousser aux gens d'avoir l'amour du Congo. Et de rester au Congo quand ils ambitionnent de diriger le pays. Et donc, moi... Mais est-ce que vous ne craignez pas que les gens finalement commencent à se marier entre nous, parce qu'on va éviter que mon enfant soit que mon enfant se retrouve dans une situation telle que sa mère n'est pas de ce pays. Christian, oui. Par 5 ans, les cycles de 5 ans, sur des millions de Congolais, un seul devient président. Donc, dire ça, je ne pense pas que les gens vont pouvoir tabler à pouvoir se marier en fonction d'ambition présidentielle, parce que d'une génération, vous n'avez pas plus de 10 personnes qui ont d'ambition présidentielle. Et vous n'avez pas plus d'une personne qui arrive à être président. Donc, dire ça, c'est contribuer aux arguments de ceux qui ont peur. Merci. N'ayez pas peur, soyez fiers d'être congolais. Moi, je n'ai pas de du tout peur. De père et de mère. Je n'ai pas du tout peur. Moi-même, je suis... Une fois qu'on a dit ça, oui. On n'est pas... Attendez-vous simplement aux critiques de Katumbi, ce qui est sûr, ça va venir. Mais moi, je suis pas, ça ne me concerne pas du tout dans la mesure où mon père est congolais, ma mère est congolaise, mon fils est congolais, de son père et de sa mère, donc il n'y a aucun souci. Soyons fiers d'être congolais. Ouais, je suis fier, je ne regrette pas. Voilà, des pères, non pas seulement soyons fiers d'être congolais, non, soyons fiers d'être congolais, des pères et de mères. Voilà. Merci c'est beaucoup. C'est une joie. Merci. Congolais de père et de mère. Merci, Maître Oscar. On a beaucoup de choses. Il faudra aussi parler de la Constitution, quelques dispositions à modifier. On en parlera un autre jour. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions dans Face à Face aujourd'hui. Je vous remercie et j'espère vivement que scientifiquement, le débat est ouvert et que nous attendons ceux qui sont frustrés de ne pas être congolais de père et de mère venir nous dire pour quel intérêt, en dehors de leur frustration, scientifiquement. Qu'est-ce qui gêne? Le prochain invité, ça sera Dr Tiani. Il viendra ici, il va nous expliquer un peu sa pensée. Mais quand il écoute le propos de Maître Oscar, ben, je crois qu'il va être réconforté dans sa position. Mais si vous pensez que ce n'est une décision, une proposition moyenâgeuse, eh bien, le plateau est ouvert, et le débat même est lancé. Parlons-en, dans une république, ce sont les débats qui construisent une société, les débats scientifiques. Pas des insultes, pas des injures. Sauf ceux qui insultent ont peur de quoi que ce soit, j'en sais rien. Qu'elle a peur qu'il ton esprit et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément, Washington. Balobi Mama Marte Nde, Mama Marte Nde, Balobi Shop, Africa Union. Mais quand t'es camion sort, biloko ya ya ni ni au Congo le, on y dit ne connaît yo, à ça ni ça y ont été. Pour la Corée na yo, on va pas bon de la yo. Pour la Zoto na yo, on va pas y aller. Pour pas bon de la yo, Balobi Bio. Bio Africa Union et toi t'es tout à quoi on a pas six mois sinon vous voyez pas y a sinon vous voyez rien mon combo t'es quoi là dans t'es quoi alors t'es quoi bio y a mboka y a fraise y a bio si on a mamba yo pula mon kanja isali Balobi Njombo et Ali et une kuba paniwa Balobi Njenge et Ali ya komba kanja yesu et mboto ya mbise ya Balobi Nyama ya mbosu ya mbombo so et saga ne kala ngando de nalani na basi oyebike na sutu eza kodia na peti po mama mande ya soro po bato komprende te mawa ba kongore u alonu u alonu Bona Coriana Pino Moko, Bagone Ragino, Coriana Aperti. Je m'appelle Maman Léa. J'habite Kinkole. J'ai fait mon petit commerce d'épices au marché de Matiti. Chaque jour, je dois me réveiller tôt le matin pour vite prendre le transport qui va me déposer au marché. J'ai acheté un smartphone au Capip et cela a changé ma vie. Elle est très bénéfique et très pratique. Je ne m'inquiète plus au problème de la batterie. Même si je quitte tôt, ma charge va durer toute la journée. Mama, nanya zaliawa. Tomato eza boni. Awa natie 500 francs. Oyokuna
1000 francs. Maman Léa finit ses ventes de la journée. Elle est prête pour rentrer à la maison. Elle appelle son mari. Allô chérie, tu as fini avec ton travail? Tu as pu récupérer l'enfant à l'école? Bisous. Bye. Maman Léa parle avec son mari au marché. Je suis satisfaite avec mon téléphone car je sais que j'ai une garantie d'une année. Si le téléphone a un problème, bien sûr, je vais le faire réparer gratuitement dans le shop au Capi et je suis fière que cela est fait par l'un de fils du pays. Chaque jour, je donne le meilleur pour nourrir ma famille et au Capi est venu faciliter notre vie en mettant en notre disposition des téléphones de bonne qualité à un prix abordable. Défiant toute concurrence. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour la. Oh.